Qui êtes-vous? Ouais, je suis le frère Hervé Vika, chantre de l'Éternel, prédicateur de l'Évangile, auteur, compositeur, arrangeur, voilà. Auteur, compositeur, chantre de l'Éternel, prédicateur de l'Évangile, et tout cela. Vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler un peu sur votre témoignage et une petite histoire brièvement de votre vie? Le frère Hervé, premièrement, c'est un enfant de Dieu qui est né de nouveau, baptisé d'eau, d'esprit et de fer. Je me suis converti lorsque j'étais petit, je pense, j'avais 15, je ne me souviens pas, mais je pense que j'avais 15 à 14 lorsque j'ai été baptisé. Le frère Hervé croit au Seigneur Jésus. Et le frère Hervé a vécu beaucoup de choses avec le Seigneur dès son bas âge. Et je suis passé par des épreuves, par des moments difficiles, dire. Et le Seigneur était là pour me fortifier. Et j'ai eu aussi à vivre le miracle de Dieu, des prodiges, comme la Bible dit, que le miracle accompagne ceux qui croient au Seigneur. Donc, à un certain moment, j'étais malade, gravement malade, mais le Seigneur m'a guéri par sa compassion, il a manifesté sa puissance, il m'a délivré. À un certain moment aussi, j'ai été combattu, vraiment combattu, mais la main de Dieu m'a secouru. À un certain moment de ma vie aussi, je ressentais la mort. Mais Dieu m'a fait grâce et je vis jusqu'à maintenant. J'ai été traumatisé, j'ai été tourmenté, j'ai vécu beaucoup de choses. Dieu est bon, voilà. Voilà ce que le frère avait. Peut-être prochainement, je vais entrer dans certains détails, mais voilà ce que le frère avait. Gloire au Seigneur pour votre histoire très touchante. Alors, Mwanangolu, votre toute première œuvre, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de cet album. L'album Mwanangolu, qui veut dire en français le fils de grâce, c'est un album qui contient une bénédiction énorme de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur m'a inspiré par sa grâce de pouvoir communiquer cette pensée à son peuple, à l'église, le corps du Christ, pour bénir les enfants de Dieu. Et c'est un album que Dieu a inspiré pour que je puisse m'exprimer et aussi exposer la connaissance que j'ai par la grâce de Dieu. Voilà l'album Fils de Grâce. Fils de Grâce, Mwanangolu en lingala. Voilà. Alors, quel est le message clé de cette œuvre, de cet album? Le message clé, c'est interpeller le peuple de Dieu de comprendre que nous sommes conçus par la grâce de Dieu. Que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons bénéficier de certains privilèges du royaume. Mmh. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a transformés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mmh. Donc, c'est ça le message, en fait. Et c'est aussi encourager quelqu'un qui est aussi en train de passer certaines épreuves et de le pousser à comprendre que Dieu est là pour lui et de l'encourager à espérer que la parole de Dieu n'échoue jamais et que Dieu il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà. Gloire au Seigneur, vous nous avez parlé de votre histoire qui était d'ailleurs très touchante. Alors, quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, si je peux, je dirais
C'est la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, la prière, Dieu nous inspire. Par son esprit, il nous inspire de mélodies, de paroles, il nous révèle. Parce que la parole de Dieu a trois dimensions. Il y a l'écriture, il y a la connaissance, il y a la révélation. La lecture nous appartient à nous, mais la révélation, c'est la part de l'esprit de Dieu qui révèle, qui inspire, qui nous oriente. Donc je dirais, bref, la source d'inspiration, c'est la parole de Dieu, la prière et le Saint-Esprit qui nous inspire. Voilà. Voilà, la parole de Dieu est votre source d'inspiration. Est-ce que les chansons que vous avez, bien sûr, chantées dans votre album, est-ce qu'il y a certaines qui parlent de votre vie? Il y a certaines expressions que j'ai utilisées qui sont des expériences de la vie que j'ai vécues, des épreuves aussi que j'ai passées, de combats, de frustrations que j'ai rencontrées, dont Dieu m'a délivré par son esprit, il m'a fortifié. Oui, il y en a aussi. Donc, c'est comme Paul qui dit « j'ai combattu, j'ai vaincu », tu vois, il parle de lui. Voilà, il parle de ce qu'il a vécu comme expérience et il parle aussi des événements dont Dieu lui a délivré. Voilà. Alléluia, j'ai combattu le bon combat de la foi, nous dit l'apôtre Paul. Alors, quels sont dans les titres que vous avez eu à exploiter dans votre tout premier album? J'ai exploité 9 titres qui sont qui est en Reine Vienne. Il y a Ozan Zambé, qui veut simplement dire tu es Dieu. Là, je suis en train d'adorer et célébrer Dieu. Il y a la puissance de la parole. Il y a l'arche de l'alliance. Il y a aussi une de chansons que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Ce n'est pas ma chanson à moi. C'est la chanson de maman Lilian Tsumbela que j'ai interprétée avec la sœur Ikern. Qui dit simplement je t'aime Jésus, j'aime Jésus. C'est juste l'expression de l'amour que Christ a pour nous. Et je réalisais ça, je dis ben voilà, il n'y a que Christ qui peut t'aimer plus que ton frère. Voyez-vous, nous sommes en train de vivre, il y a des gens qui sont autour de nous mais qui sont méchants. Tu vois, même dans nos familles, même avec des relations que nous avons, des gens que nous connaissons, même avec une femme. Mais Dieu, l'amour qu'il a pour nous dépasse tout cet amour-là. Amen. Et il y a Yezayanga, tout ce qui lui appartient m'appartient. Il y a Shalom, il y a Mwana Lisakoli, le fils de la promesse, et il y a Mwana Ngolu. Voilà. Alors, pour nous suivre juste un petit extrait d'une de vos chansons. Ouais, je vais essayer. Je ne suis pas vraiment fort à la guitare, mais du moins, par la grâce de Dieu, je peux. Bye.
makuluba munoko yakemo elamba yakemo na lata. Merci, voilà. Waouh. Alors un jour je suis en train de suivre le frère Mike Alambayi, il parle un peu de sa carrière musicale. Il a parlé aussi de quelque chose qui m'avait touché. Il a dit quand il était encore enfant, il voulait à tout prix devenir comme le frère Thomas Le Coffey. Alors, ah bon? Qui est votre modèle? Waouh! Mon modèle, dans le plan artistique ou je sais pas. Bien sûr, dans le plan artistique. Oh. Qui vous a beaucoup inspiré? Je dirais premièrement, nous sommes de la génération Gaël. Okay. Quel est le terme que vous voulez dire par la génération Gaël? Nous sommes des gens qui ont vécu ce que Dieu a fait avec Gaël Musique, le groupe Adorant l'Éternel. Ok, alors, l'Éternel, merci. Ils nous ont impactés par leur musique. Et bien qu'il y avait aussi d'autres grands dans la musique, à l'époque, comme Papa Denis Ngondé, c'est une personne que je respecte, j'aime beaucoup sa musique. Il y avait aussi beaucoup de grands comme Papa Charles Moubaya. Mais moi, la personne qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup influencé dans la musique, c'est le frère Franck Moulaja. Okay. J'aime beaucoup le frère, je mets beaucoup, j'aime toujours le frère Franck Moulaja. Parce que je sais pas comment je peux expliquer, mais je vais essayer toutefois. Il a une certaine façon de crier et aussi une certaine façon de faire l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, ses chansons sont des chansons vraiment fortes qui nous poussent à aller à la profondeur dans la prière. Donc, le frère Franck Moulaja est pour moi un modèle. Et je dirais aussi le frère Mbuta Kamuka parce que j'aime la façon dont il chante et aussi ses écritures. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'écriture. J'aime aussi l'écriture de Pasteur Lufoko du Ciel. Voilà. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup attiré. Et ce sont des gens que je considère aussi beaucoup dans la musique. Non, je ne dis pas que je ne considère pas d'autres personnes. Je les considère aussi, mais ils m'ont beaucoup influencé dans la musique. Voilà. Gloire au Seigneur, quels sont les titres ou bien les chansons de... du frère Franck Moulaja qui vous a... Il y en a beaucoup. Il y a Le Bon Berger, il y a... Katina Maboko na Yokolo. À l'époque, c'était la chanson que j'aimais beaucoup. Yahweh Yonde Polenanga. Il y a beaucoup de chansons comme un torrent d'eau qui déborde. Tu vois, toutes ces chansons-là. Je dirais même aujourd'hui, Matondo, c'est une chanson... je ne dirais même pas populaire, une chanson qui inspire et qui fait vraiment descendre la présence de Dieu, voilà. Donc, et aussi le frère Mbuta, j'aime aussi ses chansons, comme Viens me libérer. J'aime ses chansons, j'aime sa musique, voilà. Alors, gloire au Seigneur, le frère Franck Moulaja vient d'écrire son livre, je crois, déjà disponible. Ah bon? Voilà. Alors, vous avez eu à travailler avec le frère Franck Moulaja dans votre album? Non, je n'ai pas eu la chance de travailler avec le frère Franck, mais j'espère au moins, si Dieu le veut, un jour on va faire quelque chose avec lui. Et aussi, le frère Henri Papa, je l'aime beaucoup, voilà. Gloire au Seigneur. Alors, du côté artistique, bien les artistes, quelles sont les personnes? Et j'ai oublié une personne que j'aime beaucoup, le frère Odi Kabango. Ok, gloire au Seigneur. Le frère Odi Kabango, c'est aussi un mentor pour moi. On parle souvent, mais il m'oriente aussi dans les choses de Dieu parce que c'est un grand dans la musique aussi, il faut respecter, voilà. M. Fossé, Manchester pour Christ, du 20 au 24 juillet 2016. Comme orateur, nous aurons le pasteur Jean-Paul, ainsi que la femme Gabrielle de la Fédération. Venez nombreux. Kolonyonso Yesu anga wa mikolonyonso. Alors, avant la toute dernière question, quels sont vos plans du futur?
Pour le moment, j'aimerais être discret en ces points. Si Dieu permet, je vais repasser encore ici pour l'annoncer. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire et qu'est-ce qu'il m'a dit de ne pas faire. Mais pour l'instant, je suis en train de faire seulement la promotion de l'album. Voilà. Gloire au Seigneur. Comment nous allons faire, nous qui aimons votre album, comment nous allons Ah, procurer il faut appeler votre album? pour concevoir, je dirais pour avoir l'album, il faut. Tu peux aller sur iTunes. On avait eu un tout petit peu retard sur iTunes, mais je crois bientôt là, ça sera déjà officialisé sur iTunes, Amazon, tout ça. On peut avoir ça là-bas et ça circule dans les églises. Il y en a, on a déposé dans certains shops à Londres. Et vous pouvez appeler DM5, Acacia, Lobo Studio. Il y a beaucoup de places que vous pouvez aussi avoir ça. Ou vous pouvez aller sur Facebook aussi, commander ça. On peut vous poster ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a moins que les gens vous contactent? Il y a un numéro de contact ou Pour le moment, vous pouvez me contacter sur mon Facebook, Hervé Vika. Si vous allez sur Facebook, écrivez seulement Hervé Vika. Vous pouvez me contacter là-bas ou vous pouvez m'appeler sur le 074-3861-5695. Voilà. Merci beaucoup, frère Hervé Vika. C'était Voilà. pour nous un grand plaisir de Merci. vous avoir reçu sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous Merci bénisse beaucoup. aussi. Ok. Oh.